Jean-Philippe, première épreuve pour le sabre, première médaille. J'imagine que c'est une grande satisfaction. Oui, bah, une grande satisfaction. Pierre nous avait annoncé ce matin une belle médaille. Et Cyril nous avait dit bah, minimum quand même à Istanbul. Enfin, il a une anecdote là-dessus. Et donc ce matin on est arrivé, on a eu Boladé qui a fait une très belle compétition. Tom il fait une compétition, sa premier championnat du monde, donc c'était correct. Et Vincent était très solide et j'avoue que là, quelques minutes après, on est un peu déçu quand même. D'accord. Justement, Pierre, à quel moment tu as senti que Vincent était dans un grand jour et qu'il pouvait aller sur le podium? On connaît les qualités de Vincent, il ne lâche jamais. C'est un très bon tireur, il le prouve sur pas mal d'épreuves quand même. Là, c'est pas pour rien qu'il est numéro 6 mondial. Et on savait que Vincent était capable de faire un grand championnat. Boladé a montré aussi de superbes choses et ça s'est joué à rien sur leur match franco-français en tableau de 16. Et puis Tom a fait un bon tableau de 64 et puis pour l'avenir c'est de bon augure et puis en espérant faire un bon par équipe. Merci Dodo. Cyril, justement, l'épreuve par équipe c'est le prochain objectif. Quel va être le programme des tireurs là, pendant ces deux prochains jours? Déjà pour Vincent, je pense qu'il va récupérer. Demain déjà on a la compétition des filles, donc on va se pencher sur la question de la compétition des filles et puis on enchaînera avec le programme des garçons après-demain plutôt. Là, on va les laisser récupérer et décompresser un peu. Ok. Merci à tous et bravo. Merci à vous. Ouais.